Hello guys. Hello guys, Nakamo, ici Karima, bienvenue sur Kainuraj. Donc je pense que cette vidéo c'est le premier clip que vous allez voir dans la vidéo Get Ready With Me. Et donc voilà, je suis tout le temps en retard, hein? Je me maquille toute seule, je me coiffe toute seule. Donc c'est pas un bon combo, c'est pas une bonne combinaison pour être à l'heure, d'accord, dans les événements là. Donc ce que je fais tout le temps, à chaque fois, franchement à chaque fois ce que je fais, c'est que je sais déjà à quoi mon maquillage va ressembler ou j'ai une idée. Je l'ai déjà testé sur moi, donc vous m'avez vu, je vous appelle comme ça, je viens de me lever, pas de me réveiller, je réveille plus longtemps, mais j'étais sur TikTok, Instagram, mais sur mon lit sans parler, donc ma voix est un peu sexy là. Donc voilà, d'habitude c'est comme ça que je suis quand je teste ça, parce qu'après je vais me prendre ma douche ou je vais faire, en tout cas je vais l'enlever, donc c'est juste vraiment pour tester. Et donc voilà, je vais vous mettre une petite vidéo de du make-up que je veux faire, donc je vous explique. Là, je vais Get Ready With Me pour le mariage à la mairie. D'accord, donc je vais le tester. Et bien sûr, le jour J, vous allez voir peut-être le process. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. Je ne sais pas si ça va être deux vidéos, le jour J et la mairie. Je ne sais pas encore. Sûrement, mais je ne sais pas encore. Bref. Donc voilà, on va le faire ensemble. Je veux du bleu pailleté. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre toutes mes palettes. Et je regarde les couleurs qui peuvent correspondre à ce que je veux. D'accord, j'ai une tenue lavande et j'ai des chaussures bleues. Je veux un maquillage bleu électrique aussi. Donc c'est ce que je veux. Mais bien sûr qu'il soit rapide, donc le minimum à faire, I'm gonna like it. Ok, let's go. Ok, donc j'ai les trois bleus là. Je sais pas si à la caméra, celui-là il a l'air un peu violet. Celui-là j'aime bien. Celui-là il est foncé, je pense que mes chaussures sont foncées. Donc je vais amener mes chaussures et on va être fixé. Hein. Je vais voir sur un des deux. Maintenant le jour J, il se peut que je fasse un mélange. De toute façon je vais tout tester aujourd'hui et puis c'est la même combinaison que je vais utiliser le jour J. Ok, c'est bien le dernier. C'est bien le dernier. Maintenant, je vais essayer de voir peut-être comment le truquer, le matcher avec autre chose. Mais au moins, on sait que c'est cette couleur-là. Donc, allons, on va voir. It's not really giving what I wanted to give. Il faut que le bleu soit plus pailleté. Est-ce que ça donne plus? I don't like it. I don't like it. On va tester avec des paillettes. Do we like? I don't know. No, not really. No. Immediately no. Immediately. Immediately no. Aucune paillette. Donc la colle là, c'est pas de l'eau, non? J'avais jamais essayé, mais dope, love, like. We like. Après, j'ai des paillettes partout, mais bon. I don't really like it pour la mairie. Donc, on va changer le plan. On va changer le plan. Je vais faire des liners. Je vais faire des liners. C'est une idée par contre. Donc, attends, on va être sérieuse d'abord. Voir si ça marche ou pas. Après, on passe. Donc, je pense que je vais utiliser le bleu là. Attends. Je vais aller sur un truc comme genre du bleu là, mais bien blanc quoi. Je mets une base bien blanche. Je vais mettre le bleu clair de tout à l'heure. Voilà. Ce bleu là, bleu du milieu, au centre. Et mettre l'autre derrière. Genre comme ça. C'est même pas le bon pinceau, hein. C'est vraiment juste pour voir le placement de couleur. Et tout.
I don't know, blue is tricky. En plus, j'ai pas les cils. Avec les cils, tout va mieux. J'ai pas les cils là, donc je me dis... But I want blue. C'est décidé, je veux du noir. Donc, il faut que je me débrouille pour avoir ce que je veux. Period. Now, I don't know. Do I put a little... Ooh. Do I not? That's a question. Ou bien je mets ça en une corner. Genre je passe du violet au bleu. Ah non. Ah non, but I'm not mad at it. Je pense qu'il a toutes les couleurs du monde. Ou bien je fais un Hello Eyes où je fais du bleu et au milieu. Welcome to my brain. Encore une fois, c'est juste pour avoir une idée. Je mets de la lavande. Bon, ça va être du blanc alors à la base parce qu'il faut que la lavande bien voir. Mais non, mais don't like it. Bon, je vais enlever tout ça et je reviens pour un deuxième round. C'est comme ça. Elles tiennent bien les paillettes, hein? Franchement, la colle là. Peut-être le jour J, je vais mettre des paillettes. C'est comme ça que je me démaquille, by the way. Je vais vous montrer ça sur la chaîne. Vous avez vu, ça fait fondre carrément tout. Et après, huile et savon, saponification, vous connaissez, j'arrive. Ça fait vraiment carnaval là. Allons seulement. Trust the process. On va voir. Not mad at it. Not mad. Okay. We're gonna make it work. It's good. It's good enough. Donc, plus recentrer la couleur claire en inner corner, mettre la couleur de base et ensuite mettre la couleur plus foncée de cette palette mélangée à du noir en outer corner. C'est tout simple, pas de cut crease, pas de truc. Une base blanche, oui, mais un peu moins que ce que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Voilà, on va tester peut-être les liners juste pour fun. Pour fun. Ah bon, c'est pas fini quoi, vous avez compris, ça va plus descendre. Là c'est pas fini, I love it. Et c'est tellement plus facile, je sais pas si vous avez vu, c'est tellement plus facile. Pour le résultat, that I really really do like. I like this one too, but you know. Ok, on peut même faire plus. Qui peut le plus, peut le moins. Des petites paillettes. Do we like? Imaginez ça, ça descend un peu, ça suit le crease. Imaginez. And this one. I don't know, both gonna be cute, but I don't know. I'm thinking this one. En tout cas, on verra. Mais en tout cas, j'ai deux options et voilà, je vais juste prendre une photo. Comme ça, le jour où je vais me dire, je vais choisir le jour où j'ai. Mais au moins, je sais que ça va être rapide. Voilà. Un ou deux? Deux! C'est quoi le deux? Deux fort! Un ou un. Deux? Un. Ah, c'est un. Thank you. Hadi? Hadi! Ça va? Bonjour. Bi ou le bi? Bonne fille? Bi? Ou le bi? Bonne mort? Non, bonne mort, c'est d'art. Bi ni ou le bi? Ou à qui est-ce que tu veux? Bien, bon, bien. Ouais. Le liner. Le rose. Oui. Elle est en train. On va te like, papa. On va te like, papa. C'est drôle. Elle oui. Et puis sans brows, sans base. And I'm looking. I'll look you. Dis-moi comment mon père est là.
Papa? Il est pas là. Excuse-moi, papa. Tu me vois, tu arrives à me voir. Un ou deux. Ma tenue est la vente demain. Ok. Bi, bleu bi. Ah, tu es seul. Pas je sais, mais tu es seul. Even in this lighting. Le mur. Le mur, vous voyez là. Bref. Guys, I don't know. Je vais prendre une vidéo, je vais demander à Jessie. Yo, I feel cute. Oui. Bon, d'habitude, ce que je fais, je ne demande pas à tout le monde. C'est juste pour la vidéo que je demande à tout le monde. D'habitude, j'envoie juste une vidéo à Jessie. And she, then she, elle va me demander, oui, tu mets quel rouge à lèvres et tout. Mais je vais mettre un gloss. Je vais mettre un gloss, donc. But we're looking hella cute. Bref. Coucou, donc là on est à la veille au soir et je vais faire ma base pour mon chignon, ma queue de cheval plutôt. Et donc la base, la vidéo est dans la carte, je vais tout expliquer comment faire haut, bas, actif ou défrisé naturel. On voit si le résultat, on couvre et on va dormir. Bye. Donc là on va commencer par la madre, on va lui faire son petit chignon. Elle veut un chignon bas parce que merde de sa peau. Voilà, donc je lui fais souvent mettre son chapeau pour qu'on voit l'emplacement du chignon, s'il est bon, le volume, s'il est bon, etc. Et pour utiliser le moins de mèches possible, j'ai utilisé les bases de bun là. Ça donne le volume sans beaucoup d'efforts. Et j'ai utilisé les mèches Spring Twist de mèches Linda, couleur 2. Et donc voilà, j'ai même dû refaire le chignon à un moment parce que le chapeau n'était pas comme elle voulait. Là, je set le tout, got to be, le truc brillant, etc. Et on passe au make-up. Donc voilà, toutes mes hyperpigmentations, j'ai pris ça de ma mère. On a pris ça de ma mère, donc on commence par correcteur orange. Ensuite, bien sûr, on met le gel d'abord. Comme ça, le temps qu'on fasse le correcteur, le gel sèche, on fait les brows. Après les brows, on passe aux yeux et je lui mets une base blanche. Parce que comme je vous ai dit, hyperpigmentation autour des yeux. On dirait qu'elle a tout le temps du fard à paupières noir, en fait, la vieille. Donc voilà, je lui ai fait son petit maquillage, un fard à paupières mat. Oh, l'inco, il dit mon mec, Maeva. Oh, l'inco. Bon, Maeva, elle est sonore quand même, mais... Donc voilà, je crois qu'elle fait ça belle. Oui, Linko. Bref. Donc on continue le mec. Et à chaque fois, je lui donne le miroir en fait. Parce que je suis en train de lui faire un tuto en live. Je leur ai tout fait ça. Genre, j'ai dit, j'ai fait ça, je te montre. Tu vois ce que ça donne comme ça. Après, on me fatigue moins. J'espérais. Pff, ça n'a pas marché. Bref. Donc on passe à Dominique. On va commencer elle par le make-up et tout. Parce que moi, j'avais aucune idée de la tête de la petite. Mais après, j'ai su, vous allez voir. Donc elle, pareil, je lui fais un petit tuto. Et même étape, brows, on met le gel, on laisse sécher, on fait la correction, on revient, on fait les brows, on met le concealer autour, on passe aux yeux, base blanche elle aussi parce que je lui mets aussi des fards à paupières mat. Vous allez voir le rendu, là faites pas attention, c'est avec carnaval, we don't care, but you gonna see. Donc j'ai mis du bleu vert foncé en outer corner, du bleu vert clair truc et un peu de vert en inner corner. Après la base... concealer, poudre, machin, fond de teint, bien sûr, et tout ça avant. Et donc voilà, je lui fais les yeux, liner, mascara, et voilà. Maintenant, sa perruque, c'était une synthétique avec juste une raie en truc. Donc, j'ai pas montré là parce que j'avais coupé, mais j'ai juste gelé avec le Got to Be les deux baby hair devant. C'est comme si c'était collé. Ensuite, je lui ai fait une coiffure vidéo dans la carte. Donc, pour ma coiffure. J'ai jamais montré cette technique, c'est quand vous voulez utiliser toute la longueur de vos mèches, c'est-à-dire c'est pas doublé, mais donc vous avez un petit bout, et ce qu'il faut faire en fait, c'est toujours mettre le petit bout là, contre votre base, contre vos cheveux. Donc derrière, vous mettez le petit bout à l'avant, quand c'est pour l'avant, vous mettez le petit bout en arrière, quand c'est sur à gauche, vous mettez ça à droite, quand c'est à droite, vous avez compris. Mettez ça proche du truc et vous sécurisez avec, et voilà. Voici mon ponytail Spring Twist as usual, the best mesh ever. Et maintenant on passe à Morane. Donc Morane, je lui ai fait deux pompons et j'ai ajouté quelques mèches de Spring Twist pour lui donner un peu plus de volume. Et puis on va passer au maquillage, un maquillage aussi simple. Cette fois-ci, elle n'aura pas de base blanche ni de trucs mat. C'est plus des fards à paupières satinés que je lui ai fait en vert un peu sombre. Et moi je trouve que ce maquillage par exemple, il est très approprié pour son âge. Vous avez vu son tout petit visage, elle est toute mignonne comme ça. Mais bon, elle boudait toute la journée.
adolescente, pré-ado, non, du pré-ado, on a quand même un peu de respect, adolescente. Mais elle est toute jolie comme ça, je lui ai fait le petit truc comme ça. A fait le doigt ou le pédale, parce qu'elle est, je trouve. Et je trouve que ça, ça va, hein. Vous me direz dans les commentaires, mais je pense pas que j'ai dénaturé son visage ou quoi que ce soit. J'ai pas fait de trucs bizarres, j'ai juste mis ses yeux en valeur et puis boum. Donc là, on passe à mon maquillage après tout le monde. Donc, je mets un peu de concealer en base, ensuite je mets mon... Je set avec la poudre, je mets mon petit truc marron en outer corner. Et maintenant, on fait les liners, vous avez vu pour le truc. D'ailleurs, quand vous dépassez un peu, vous prenez juste un pinceau synthétique, vous le mouillez un peu, vous mettez un peu d'eau et puis boum, vous nettoyez et on est parti. We good to go. Mascara, cils, looking cute. Ok, donc j'étais en retard après avoir géré tout le monde et j'étais dans le taxi avec Maeva. Et j'ai fait mes ongles dans le taxi Snap Nails en double. Et les hairs. Tu vois, elle est sponsorisée par Kanyu Racho. Très bien. Ok, merci. Next. Thank you. Où sont tes chaussures? Où sont tes talons? Je pouvais pas. Je pouvais pas. J'étais fatiguée. Écoute-moi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. C'est bon. Je prends juste. Mais souris s'il te plaît. Tu peux pas sourire. Mais souris. Merci. Ça va aller? Hey, tourne-toi. Regarde-moi. Merci. Ciao. Ciao. Voilà, après là. Montage, j'ai pris que tes yeux. J'ai pris que tes yeux. Tu disais quoi, Coralie, y'a pas? Y'a pas, le maquillage est trop beau. Simple, il twist, ça pète en fait. J'ai de jambes. Merci, merci. Merci, merci. Liner, Gisna aussi, j'apprécie. Gisna à l'avant, bing, le match c'est quoi? Mariage. Oh, wow, wow, wow. Gisna à l'heure. Vous n'avez pas l'œil. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci et vous? Super. Ok, merci bien. De rien, de rien, bien. La famille, une bombe, une deuxième bombe, une troisième bombe, Hiroshima, mon frère. Hiroshima. Ouh, mais allez, y a une jeune fraîche. Y a où des fraîches. Ouh, très bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, au milieu des gens, on prend notre petite photoshoot là. Oui, hein, because non, the slade, oh non, il faut quand même. Hein. Quand donc là, on cherchait le soleil, il nous avait fui, mais on est là. regarde, nous on trouve le soleil là-bas, elle va trouver le full soleil. Ça, elle dit pas. Mm-hmm. C'est vrai en plus, hein. Uh-huh. Ouh, je te dérange pas, j'espère. J'ai oublié ma ceinture, je viens de me rendre compte. Non, oublié ma ceinture. Okay. Le chemin du recours, je me rends compte que je n'ai pas mis la ceinture de ma robe. Je l'ai laissée chez moi et j'ai complètement oublié. Donc on va voir le look avec la ceinture. Il faut avoir le look complet. Je le dépose quelque part. Hein. Je vais être fin. Tu t'imagines? Tu te rends compte? N'importe quoi. Ah ouais, la couture sur la couture. Mais complètement ça fait. Ah, c'est pas grave, la prochaine fois je vais porter ça parce que dans mes tangles, j'ai au calme. Je mettrai la ceinture, on va se dire oh, est-ce que c'est une coupe différente? Vous êtes. Bon. Allez, on est très bien. Allez, d'accord. Donc, bien sûr, on essaie de faire un nœud esthétique. Voici le whole face. Make-up check. Il est quelle heure, Maeva? 20h39. Hein? 20h39. Je me suis sûrement maquillée vers 15h. 15h20. Donc,
Les liners là, c'est la base. Vous êtes super facile. En plus, c'est de la poudre. Donc, il n'y a pas de après-midi, mais je sais pas quoi. Tu mets là, il y a un liner. You stay your look. Et c'est rapide en plus. Donc. C'est fini. Je pense que la vidéo, cette vidéo là va s'arrêter ici. Oui, mes ongles. J'en ai mis juste un peu de colle pour pouvoir les enlever ce soir. Donc, c'est déjà mon visage. Madame, c'est en cours de route. Je vais tous les enlever. Donc en une journée. Et puis boum, on range ça dans la petite boîte. Et c'est tout. Bye guys. Revenez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci. C'était tout pour la vidéo de Bye guys. Revenez. Revenez.